Bonjour et bienvenue sur DNA Games pour un nouveau jeu PPLL AAAY Troll Face Quest 7 Sports. Ça a l'air un peu fort le son, non? Ah, désolé, c'est moi, c'est mon casque, il est à fond. Enfin bref, nous allons commencer Troll Face Quest Sports. Il m'a volé ma pizza, il m'a fait dégager de ma maison. Ok, donc on connaît le principe. Voilà, je m'en doutais. Disco, Disco Stew. Donc comme d'habitude, j'ai déjà joué au jeu avant. Donc comme ça vous avez les solutions directement si vous regardez. Oh, les nuages sont fâchés. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'à partir de celui-ci, donc du Trollface Quest Sport, ils ont donné des noms au Trollface plutôt que des chiffres. Ouais, j'avais oublié ça. Et hop là, Tarzan. Du coup, c'est bien le 6, hein. On a eu un petit retard de son là. Donc c'est bien le 6. Et il y en a un qui s'appelle le numéro 13. Mais ce n'est pas le numéro 13 en fait, c'est. C'est le 7 quoi. Allez. Vous voyez bien ma souris qui se balade, mais bon, le truc c'est que. Personnellement, j'adore ce type de jeu. Et donc voilà, je crois que j'ai terminé. Mais c'est débile! Un jeu de 2 minutes, quoi! Ah oui, c'est vrai! Désormais, tous les jeux de Trollface Quest sont sur App Store. Et donc, c'est devenu injouable. Une vidéo de 3 minutes, c'est génial. Ne vous inquiétez pas, parce que j'ai prévu. En fait, je n'avais pas prévu ça, mais je reviens dans 30 secondes. Donc voilà, on va jouer à Trollface Launch. J'avais pas prévu d'y jouer. Voilà. On va faire ça pendant quelques minutes. C'est pas que ça m'intéresse, mais c'est parce que voilà, vous avez perdu du temps sur cette pauvre vidéo de 10 trucs. Donc on va s'amuser un tout petit peu sur ce jeu. Pour que la vidéo fasse au moins 5 minutes. Et si la prochaine vidéo fait pareil, ben je serai obligé de faire. ...2350 mètres, voilà. C'est ici que se termine cette vidéo. On va voir quand même les upgrades. Parce que oui, il y a moyen d'acheter des upgrades. Hein. Oui, c'est con, mais bon. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo si vous voulez plus de trolls. Et si vous aussi vous êtes dégoûté que les jeux soient plus complexes sur iPhone et Android. Je vous dis à plus sur DNA Games, c'était débile.